poteau avant d'entrer. Ah, t'as vu comme c'est cruel parfois le football? Je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but. Une frappe d'une puissance absolument exceptionnelle. Le gardien obligé de s'incliner. Il a vu une petite ouverture, il a choisi de frapper de loin, ça lui a souri. On revoit ce but au ralenti. Quelle frappe! Ah, que c'est dur d'envoyer le ballon dans son propre but. Je ne connais pas un seul défenseur à qui c'est jamais arrivé, hein. Mais c'est vrai que parfois les conséquences peuvent être dramatiques. Capitaine qui montre l'exemple sur ce but. Ouais, belle action, bonne lecture du jeu. Je vous laisse apprécier ce but comme il se doit. Ça fait du bien pour la confiance hein, de marquer des buts comme ça. C'est sûr qu'une belle reprise de volée, c'est toujours spectaculaire. Ah, c'est un des gestes les plus purs du foot. Hein. Pas content, Antonio Conte. Son équipe va devoir courir un moment dans la tête. Ouais, qu'est-ce que tu veux hein? Tu veux défendre, tu mets ton corps en opposition, puis ça part du mauvais côté. Pas de bol. Ça fait 2-0, il ne fait pas qu'il tenterait sa chance de si loin. Il traverse son ballon, on le voit sur ce ralenti. Une frappe puissante avec en plus la précision qui vient battre le gardien. Quelle puissance dans cette frappe, regardez sur le ralenti. Ça va trop vite pour le gardien, même au ralenti. C'est bien ce qu'ont fait les joueurs sur ce but, on va revoir tout ça au ralenti. Belle parade du gardien, mais insuffisante puisque il la repose sur l'attaquant qui marque avec beaucoup de réalisme. Voilà, le score final aujourd'hui. Je vous laisse apprécier ce but comme il se doit. Avoir la tête de l'entraîneur, j'ai bien l'impression qu'il y en a quelques-uns qui... Voilà, le match était déjà gagné, mais l'équipe n'a pas relâché la pression. Ah oui, Hervé, mais enfin, on va pas s'épater pour ça. Ça devrait toujours être le cas au niveau pro. Hein. On va peut-être mieux voir ce qui s'est passé. L'entraîneur qui semble se dire qu'il n'y a décidément plus rien à attendre de ce match. Rien ne va aujourd'hui. 3 buts maintenant pour lui. Ah, d'un point de vue personnel, c'est évidemment magnifique ce qu'il est en train de réaliser. Et sur ce ralenti, c'est un autre angle qui nous est proposé, ça va être intéressant. Allez, ah, le bout d'affichage. Oh, que ce but va leur faire du bien, je crois qu'ils vont vraiment se sentir libérés. On voit ce but sous un autre angle. Buteur sur ce ralenti. Belle parade du gardien, mais insuffisante puisqu'il le repose sur l'attaquant qui marque avec beaucoup de réalisme. Quelle puissance sur cette frappe. Le pied d'appui est bien placé au moment de la frappe. C'est magnifiquement fait. Et on pensait que c'était un peu présomptueux de tenter sa chance aussi loin. En fait, il a eu raison. Hein. Je suis son instinct. Il y avait un petit peu de champ devant lui. Il a bien fait de prendre sa chance. Ce but. Ouais, ils ont la main mise sur le match maintenant, bah, ils ne veulent rien subir. Et ce but, toujours, mais cette fois-ci avec une autre caméra. Avant ce but. À tout part de là, en effet, c'est vraiment une passe qui, comme son nom l'indique, est décisive. Et sur ce ralenti, c'est un autre angle qui nous est proposé, ça va être intéressant. 2 buts d'écart, cette équipe n'a pas baissé les bras et voilà, égalité au score. Le réalisateur qui nous propose le ralenti de ce but. Le gardien qui est un petit peu malheureux sur cette action. Hein. La première parade n'a pas suffi et derrière, le buteur est idéalement placé pour la mettre au fond.
Et c'est encore un retour au score, une nouvelle égalité. Formation avant de frapper, et il ajuste froidement le gardien. Très bon péno. C'était à bout portant, mais c'est lui qui a eu le dernier mot, bravo. Et que le gardien ne parvient pas à stopper. Le buteur qui reçoit le coup de poteau, on le voit sur sa lentille. Tu as regardé un nouvel angle de vue pour apprécier ce but. C'est-à-dire qu'il était pris dans le feu de l'action. Tiens, il peut remercier le poteau. Son ballon vient heurter le montant, mais enfin, ça enlève rien à la qualité de sa frappe. Hein. On voit ce but sous un autre angle. Et si c'était le... La trajectoire du ballon qui est parfaite hein, sur ce but. Hein. Ouais, en plus, quand il y a le poteau, c'est imparable. Hein. On voit ce but sous un autre angle. C'est donc le jambe aujourd'hui, hein. C'est son deuxième but dans ce match. Notre réalisateur qui nous montre le but avec une autre caméra. Oui, là je crois qu'il n'y a pas besoin d'épiloguer sur ce qu'éprouve l'entraîneur. Troisième but dans ce match. La défense n'a toujours pas trouvé la solution contre lui. Hein. Il est en train de faire un récital. Notre réalisateur qui nous montre le but avec une autre caméra. Extrêmement rageant de marquer contre son camp. Ah mais il faut l'accepter, c'est des choses qui arrivent. Le but encore, mais sous un autre angle cette fois-ci. Aller assez vite et ce ralenti va nous permettre de revoir ce qui a amené le but. Le joueur qui est parfaitement sur ses appuis au moment de frapper le ballon, rien à dire. Il a mis le ballon exactement là où il le voulait, même le ralenti, ça va très vite. L'entraîneur qui a du mal à cacher sa satisfaction sur le banc de touche, ses joueurs dominent le match de la tête et des épaules. Tout par de là, en effet, c'est vraiment une passe qui, comme son nom l'indique, est décisive. Là, ce but... Toujours, mais cette fois-ci avec une autre caméra. On ne s'est pas posé de questions sur ce penalty. Penalty ralenti. Il a marché aujourd'hui, il en est déjà à deux buts. Notre réalisateur qui nous montre le but avec notre caméra. Plus l'adversaire. Là, je crois, mon petit Hervé qui l'a messé vite. Le but encore, mais sous un autre angle cette fois-ci. On voit ce but sous un autre angle.
Il semble énorme. 3 buts, c'est superbe. Et ce but, toujours, mais cette fois-ci avec une autre caméra. Ah, que c'est dur d'envoyer le ballon dans son propre but. Je connais pas un seul défenseur à qui c'est jamais arrivé, hein. Mais c'est vrai que parfois les conséquences peuvent être dramatiques. On voit ce but sous un autre angle. C'est l'équipe qui joue le plus, qui produit le plus de jeux, qui marque. Oui, voilà, enfin, une équipe qui veut faire circuler le ballon, des joueurs disponibles, ça paye et les efforts sont enfin récompensés. On voit bien sur ces images que le ballon vient frapper la barre avant d'entrer. Un gardien pensait être sauvé par son montant, mais on n'a pas eu de chance sur cette action. Et sur ce ralenti, c'est un autre angle qui nous est proposé, ça va être intéressant. Ce match. À la joie du buteur, regarde-moi ça. Les supporters sont plutôt contents eux aussi. L'équipe qui est récompensée de ses efforts avec ce but. Ouais, elle tente plus, elle se montre plus entreprenant. Ça, logique. Ce but, toujours, mais cette fois-ci avec une autre caméra.